5 façons d'utiliser le beurre de cacao en cosmétique. Une vidéo que vous allez certainement aimer. Aidez-nous à atteindre les 30 000 abonnés en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si c'est la première fois que tu viens sur cette page, alors sois le bienvenu ou sois la bienvenue. Tu connais la suite, like, abonne-toi, commente et partage. Le beurre de cacao, oui, mais dans le chocolat blanc. Non, mais pas forcément dans le chocolat blanc. Peut-être côté salle de bain, pourquoi pas. Oui, oui, effectivement, on peut le retrouver aussi en cosmétique car le beurre de cacao possède de bonnes vertus pour votre peau. Avec son odeur gourmande, le cacao est l'un des grands favoris des recettes cosmétiques à faire à la maison. Originaire d'Amérique du Sud, il est issu de la cabosse, le fruit du cacaotier. Pour en savoir plus, je vous mets le lien de nos précédentes vidéos juste au-dessus, au niveau du point i. Le beurre de cacao est souvent critiqué à cause de son appartenance à la famille des acides gras saturés. Il n'est pas si mauvais dans sa composition. Il est riche en multiples vertus. Il protège, raffermit la peau et contient de nombreux nutriments. Vous avez envie de donner à vos cosmétiques une légère odeur chocolatée? Découvrons ensemble comment utiliser le beurre de cacao en cosmétique pour prendre soin de vous. En numéro 1, le beurre de cacao en baume pour le corps, nourrissant et amincissant. Le beurre de cacao peut être appliqué sur le corps sans problème. Sa teneur en acide oléique constitue une barrière protectrice pour la peau et sa richesse en oméga 3, en oméga 9 la nourrit. Le beurre de cacao en coup de pouce anti-vergiture en numéro 2. En plus de nous amincir, le beurre de cacao a des propriétés raffermissantes et adoucissantes. Ces dernières peuvent être mises à profit pendant et après la grossesse. Si vous souhaitez préserver votre peau des vergitures, appliquez alors votre beurre de cacao brut sur les zones les plus sollicitées pendant ces 9 mois, à savoir le ventre, les hanches, les cuisses et les seins. Le beurre de cacao en masque pour les cheveux. Il est souvent recommandé pour soigner les cheveux abîmés ou secs. En effet, ses vertus nourrissantes sont aussi très intéressantes pour la fibre capillaire. Le beurre de cacao en baume anti-crevasse, c'est en numéro 4. Soumise à la pression de notre poids, la peau du talon est très fragile et facilement en proie à des crevasses ou des zones de déshydratation. Alors, pour des pieds très doux, n'hésitez surtout pas d'appliquer le beurre de cacao. En numéro 5, le beurre de cacao en pain de massage. Vous travaillez beaucoup et vous êtes très anxieuse, très stressée. Octroyez-vous un petit massage à la maison avec votre beurre de cacao. C'est une alternative originale pour profiter de ses propriétés. Seul ou en couple, c'est l'occasion de passer un moment à deux et de vous faire chouchouter par votre partenaire. Voilà, voilà les 5 façons d'utiliser le beurre de cacao en cosmétique. Il ne vous reste plus qu'à le tester à la maison. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, likez, commentez, partagez et dites-nous en commentaire quelles sont les vidéos que vous aimeriez voir sur notre chaîne. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une prochaine vidéo sur Etout Nature.